Là, c'est Hamelin qui récupère. Hamelin, belle fin est là-dessus. Hamelin, le tir est contre. Oh, quel but! Oh, quel but sans échec! Fin. Tire. Et le but! Un échappé, Carpentier. Vous l'avez le point, attention! Un bon arrêt, il lance! Et go! Charpentier avec le 10, contour de l'autre côté, le but! Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la source LNH, le nouveau balado de la Ligue nord-américaine. Messieurs, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Yes, yes. Yes. Donc, nouvelle formule là, qu'on a décidé de tester avec la Ligue nord-américaine. Un petit balado de 30 minutes pour faire un petit récapitulatif de la dernière semaine dans la Ligue. Les matchs, les nouvelles, on va faire un petit top. On va avoir une entrevue aussi là, aujourd'hui avec les deux frères Malouin. Vous avez sûrement vu aussi sur l'annonce. Donc, à l'animation, Sébastien Matt, en l'occurrence moi, de la source du hockey, et les co-animateurs, le TIF, qui n'a plus besoin de présentation, du coup, l'FM de Saint-Georges et David Lagacé, des coms des éperviers de Sorel-Tracy. Donc, tu vois, je suis quand même un gars correct à soir. J'ai pas mis rien du Cool FM. J'étais un gars neutre, on me l'avait dit. J'ai mis un coton ouaté de la Ligue nord-américaine. Vous voyez, ce soir, là, je suis neutre. Jusqu'à vendredi, je suis neutre. Vendredi, je remets mon coton ouaté du Cool FM. C'est correct, là. Mais pour ce soir, je suis Ligue nord-américaine. J'étais un gars correct. Donc, puis c'est quand même aussi là, une formule qu'on veut essayer avec les 6 équipes de la Ligue. Donc, on va parler des 6 équipes de la Ligue, pas juste du Cool FM de Sorel-Tracy. Donc, les personnes qui nous écoutent, là, si vous avez des questions, vous voulez parler de votre équipe, on va faire un petit recap là, par équipe après les quelques nouvelles, les matchs qui ont eu lieu le dernier week-end. On pourrait peut-être commencer par les nouvelles. Il y a un petit coup qui a fait jaser là, le dernier week-end. Mathieu Dumas, un coude qui était haut sur Christophe Lauzier. Je ne sais pas si vous pouvez, Dave, peut-être nous parler un peu de ça. Oui, ben, c'est sûr que ça a mis un peu de piquant dans le match entre Thetford puis Sorel vendredi passé. C'était un match qui n'était pas passé trop de trucs niveau animosité, mais ça a comme mis un peu les flots aux poules. C'est sûr que la game était très serrée quand c'est arrivé, fait que ça n'a pas eu trop de débordement vers la suite, là, mais c'est sûr que c'est le genre de coup qui peut faire ça, là, mais c'est sûr que là où il y a peut-être eu un petit peu de controverse, c'est que à date, à moins que la décision change d'ici à vendredi, il y a juste eu un match de suspension pour Mathieu Dumas. Okay. Les gens pensaient peut-être qu'il y en aurait un peu plus, parce qu'effectivement, c'était une grosse mise en échec. Puis Christophe Lauzier, il n'est pas revenu dans le match, il n'a pas joué dimanche non plus à Laval. Fait qu'on ne sait pas trop son état, s'il va pouvoir jouer en fin de semaine, s'il va manquer plus que une semaine d'activité. Fait que c'est sûr que c'est comme le premier événement quasiment un peu, si on veut, dans l'année là, qui fait jaser de même. Là. Puis, tu sais, en même temps, je me dis la raison pourquoi c'est peut-être un match, c'est Mathieu Dumas, ça fait 15 ans, peut-être même plus, qui est dans la Ligue. C'est pas un gars qui est reconnu non plus pour ce genre de choses-là. Là. Fait que ça a peut-être eu une incidence dans la décision aussi. Là. Mais je pense que c'est peut-être ça qui a pesé dans le ballon aussi. Là. Comme moi, s'il y a des choses sur le podcast, vous allez voir, je ne me mêlerai pas trop parce que je suis quand même un joueur et je suis actif. Fait que je ne me mêlerai pas de la décision. Je vais vous laisser jaser sur ça. Mais tout ce que je peux dire, c'est que logiquement, oui, Mathieu Dumas, c'est pas un gars qui joue non plus salaud et qui a eu des games de suspension dans sa carrière. Fait que ça a probablement pesé dans la balance. Parce que si tu regardes l'autre bord à Jonquière, tu as Verpas qui a été suspendu 3 games pour son agression sur Gert. Sur Gertin. Fait que, tu vois que c'est comme deux poids, deux mesures sur la situation que ça s'est passé. Fait que, probablement la Ligue a pris la décision qu'il y avait à prendre là-dessus, mais c'est pas des gestes non plus qu'on veut voir. C'est pas le fun non plus. On veut rester en santé. L'important, c'est que les gars restent à la glace. T'sais, le fait qu'il y ait des bagarres dans une game, ça fait partie, on le sait tous, ça fait partie de notre folklore, mais en même temps, des gestes comme ça, que ça soit accidentel ou pas, on essaie aussi de pas en avoir parce que l'important, c'est que les gars restent en santé puis qu'on soit capable de jouer au hockey puis qu'on mette un produit sur la glace aussi. Là.
Oui, surtout que, tu sais, on ne se le cachera pas, Christophe Lauzier, c'est un peu le genre de joueur que les gens aiment voir jouer, que ce soit à Bedford ou n'importe où, où ce que l'équipe va jouer, là. Fait que c'est sûr, c'est plate si un gars comme lui est absent pour une longue durée parce qu'il y a peut-être une commotion. Il y a eu un autre incident aussi en fin de match, là, vendredi. Jonker, là, qui a fait la remontée. Finalement, ils ont fini ça avec deux buts dans un filet désert. Après le but de Jérémy Malouin qu'on va avoir plus tard, puis on va avoir ses commentaires, on va revenir là-dessus. Mais il va peut-être avoir il va avoir une pénalité automatique, je crois, à Gabriel Verpas. Pour avoir été instigateur d'une bataille là, en fin de partie. Je pense que le règlement, c'est dans les 5 dernières. Si t'es un instigateur dans une bagarre, je pense que c'est automatiquement. C'est Ouais. exactement ce qu'on parlait là, sur l'assaut sur Gert là, dans le coin de la bande après le filet désert. Moi, ce que j'ai hâte de voir Malouin, c'est je lui ai demandé son pas de danse avec son frère. Il l'a trouvé où, son pas de danse? Parce qu'on les voit les deux danser sur le bord de la patinoire. J'ai hâte de leur demander le pas de danse, il sortait de où, là. J'ai hâte de savoir c'est quoi l'histoire là, avec le pas de danse. Mais tu sais, ça aussi, c'est des choses. Ça fait partie de la game, c'est le folklore de la ligue. En fin de game, tu sais, je veux dire, ça fait partie là, t'sais, de l'identité de notre ligue, mais on veut pas de débordement non plus, là, tu sais. On voit ce qui s'est passé, puis je vais en parler ouvertement, puis je vais défendre mon point. Puis là, pour une fois, je vais me mettre dans la peau du Cool FM. Il y a eu un autre incident à Rivière-du-Loup, ce qu'on aime vraiment pas voir en fin de game. Il y a eu une bagarre entre Damour et Hammer, entre Dave Hamel. Dave, après, était un peu excité. Eric Haley, qui était sur le banc, applaudissait. Dave, qui était un peu dans tous ses états, essayé, tu sais, il chargeait pas le banc, mais il s'est approché du banc en essayant de tu sais, partir quelque chose. Le juge de ligne tirait Hammer, bon, on se fera pas de cachette, Hammer, c'est un gars de 285 livres aussi, là. Puis pour le monde, là, qui blâme Hammer sur ça, là, allez revoir la séquence, puis là, je suis pas Homer de Saint-Georges, on voit l'autre juge de ligne qui essaie de venir aider son coéquipier, lui rentre complètement dedans, de dos. Le juge de ligne l'a même dit sur la glace, là, c'était pas Hammer et c'est non Hammer qui a blessé le juge de ligne. C'est l'autre juge de ligne qui est rentré. C'est des séquences qu'on veut pas voir. Il est parti en civière, puis j'espère qu'il est correct. Si c'est un arbitre, ça fait longtemps. Si c'est un juge de ligne, ça fait longtemps qu'il est dans la ligue. Mais tu sais, ça fait partie un peu du folklore de notre ligue. Mais tu sais, on veut pas qu'il y ait des incidents comme ça qui arrivent. Mais c'est pas, tu sais, j'ai vu sur les réseaux sociaux un peu, on a blâmé Hammer sur ça. C'est aucunement Hammer. C'est l'autre juge de ligne qui est rentré dans son partner. Puis ça a juste coincé dans la bande, puis il s'est fait mal au dos. Fait que, tu sais, il n'y a rien à reprocher à Hammer dans cette situation-là. Mais comme je vous dis, c'est des situations qui arrivent dans notre ligue. Mais on essaye que ça reste, qu'on déborde pas avec ça non plus. On a Ouais, même c'est sûr. le cousin là, qui confirme, j'étais proche et Hammer rien à voir Oui. avec ce qui Okay. s'est passé. On souhaite bon prompt rétablissement à l'arbitre aussi. Là. C'est jamais le fun à voir. Ouais. C'était pas le fun là, sur le coup. Là. Ça casse un peu le momentum. Là. Je veux te dire, il n'y en avait pas vraiment de momentum à 9 à 4 non plus. Là. On ne se fera pas de cachette. Là. Ouais, on va Mais y revenir. ça, Bon, ça, des questions à te poser là-dessus. c'est pas le fun pareil à voir. Par exemple, mention Anthony Damo, qui le gars, il est tout jeune, il sort de la Q, rentre dans la ligue, puis il se pogne quand même à Hammer dans J'y lève mon le chapeau, ouais, sérieusement, puis c'est Damo qui a demandé, et non Hammer qui a Oh, ouais. demandé, pour que le monde le sache, là, pour le monde qui nous écoute, s'il y a du monde de Rivière-du-Loup qui nous écoute, là, puis n'importe où, c'est le kid qui l'a demandé, puis je voue mon respect à ce kid-là, il était là, puis c'est lui qui a demandé à Hammer, il a dit « Ok, on y va, j'ai pas de problème avec ça », il voyait ce qui se passait, tu sais, ils sont pas de cachette, Rivière-du-Loup en ce moment, a pas de toffe. Puis le kid, il y en avait comme assez. On les bardassait un petit peu. Ce qui fait partie, on est resté dans la légalité, mais on les a bardassés un petit peu. Puis le kid, là, gros, il a chapeau aux jeunes, man. Il a décidé de s'élever. Puis il a dit, moi, je vais y aller avec Hammer. Puis il a pas mal fait non plus. Fait que, tu sais, chapeau à ce jeune-là qui rentre dans la ligue, là. C'est incroyable. Donc, on pourrait peut-être te faire un petit là, recap là, des nouvelles là, dans de chacune des équipes, un peu les parties, là, à commencer par l'Assurantia. On regardait un petit peu là, des nouvelles, de quoi parler sur le show de ce soir. Puis là, à 13h, il y avait une petite nouvelle là, que l'Assurantia allait annoncer une signature. Puis environ voilà, 1 heure, c'est fait. L'Assurantia a annoncé la signature du défenseur Guillaume Lépine. Il n'a pas joué l'année dernière, a été les 2 autres années avant en Angleterre. Un gros bonhomme.
ça va être une grosse addition là, pour cette équipe-là. Là. Ouais, mais c'est le genre de défenseur qui s'en fait plus bien. Des gars de 6 pieds 4, 210 livres et plus, qui sont capables de jouer robuste, qui sont capables de jouer très bien défensivement aussi, puis de faire quelques points de temps en temps. Là. Fait que c'est, quand tu regardes sa feuille de route, c'est sûr que ça ne veut pas nécessairement dire de quoi les joueurs avec les feuilles de route qui arrivent dans notre ligue, mais il a joué beaucoup dans la Ligue américaine, dans East Coast. 167 parties dans la Ligue américaine. Ouais, fait que moi, j'ai joué avec Guillaume. J'ai joué avec Guillaume dans Coast. Je pense que c'est quelqu'un à Rivière-du-Loup qui vont apprécier de game en game. C'est un gars qui, un peu ce que tu as dit, David, on n'en fait pas beaucoup des gars comme ça. Il est un peu moulé pour notre ligue. C'est un gars qu'en Angleterre, il s'est pogné. Il n'a pas peur de ça. Tu rajoutes à cette brigade-là avec les Gab Lemieux, Tommy Lafontaine, tu as Lessard, tu as Labbé, Dumoulang. Ils ont quand même des défenseurs qui sont assez robustes. Du côté de Tedford, puis il rajoute un Lépine qui est capable de jouer au hockey, capable de faire une bonne première passe, comme tu disais, capable de mettre des points sur le board quand ça va être le temps. C'est un bon gars d'équipe pour avoir joué avec, je l'adore. Fait que je pense que pour Rivière-du-Loup, pas pour Rivière-du-Loup, mais pour Tedford Mines, c'est une signature qu'ils vont adorer. Ça renforcé un peu ce club-là, on va en parler, mais Tedford, dans mon livre à moi, qui est une force dans la ligue cette année, ça peut juste les aider, là. Avec la perte de Medley en plus, qui est parti à Laval, tu le remplaces par un Guillaume Lépine. On sait tout, Medley, c'est un warrior, c'est un gars que j'adore, c'est un gars que je respecte beaucoup. Mais tu le perds, il faut que tu le remplaces. Puis je pense qu'ils ont trouvé la bonne chaussure en allant chercher Guillaume Lépine aussi. Là. Et tu parlais de Steve Dumoulang. Justement, il a écrit un petit commentaire. Là. Ça va pouvoir arrêter de pleurer à RDL. C'est le kid qui a voulu. Donc, il y a de la... Il y a de la rivalité ce soir. Ça chauffe sur le chat en ce moment. Donc... ouais, c'est ça. On a créé quelque chose. Je vois le cousin qui se fait aller. L'autre qui dit que Hammer aurait jumpé Chabot. Je ne me mêle pas de ça. Hammer n'aurait jamais jumpé Chabot en passant. Là, je vous le clarifie. Hammer n'aurait jamais fait ça. Là. Hammer, quand même, c'est pas. Il est pas... En tout cas, c'est un autre débat. Je ne rentrerai pas dans le débat. J'ai dit que ce soir, je ne parlais pas du cool FM, juste du cool, mais ça n'a pas rapport à ça aucunement. Donc, la Surancia a perdu contre Sorel 2-1, dominé contre Laval 4-1. Est-ce que toi, David, qui as vu le match, là, tu pourrais nous parler un peu là, de la Surancia 2-1, quand même une partie serrée contre Sorel? Oui, ben c'est rare qu'une équipe va à Tedford puis réussit à gagner à Tedford. Là. Donc, Sorel ont quand même joué une très bonne ligne défensive. Mais pour être honnête, la première étoile du match dans ce match-là, ça a été Dominic Graham, le nouveau gardien à Sorel, qui a été quasiment parfait. C'est un goaler qui est tellement calme, qui joue super bien avec la rondelle, qui donne confiance à ses défenseurs, puis qui est capable de faire les arrêts clés justement quand il y a quelques erreurs qui arrivent. T'sais, je sais que c'est juste un sample de deux games à date dans la ligue, mais c'est quand même un gars qui a donné 3 buts en 2 games. Il y a un pourcentage d'arrêt qui est à 9,54 après 2 games. Fait que je pense que ça va être le genre de gardien à surveiller là, cette année dans la ligue. Sinon, pour le match de dimanche à Laval, je pense que Laval a un petit peu de misère avec la défensive en début d'année, mais c'est une défensive qui a perdu la moitié de ses éléments quand on parle de la dernière saison à cette année, qui a rentré des jeunes, Bureau Blais, puis Gabriel Bilodeau, puis Alex Ivanier aussi, qui est un nouveau joueur qui n'a pas encore joué avec ces joueurs-là. Là. Fait que je pense que c'est une période d'adaptation présentement pour Laval. C'est sûr que l'attaque, c'est pas un problème à Laval. Ils ont marqué un but dimanche, mais Étienne Marcoux, goaler à Tedford, avait super bien goalé aussi. Mais je pense que c'est ça, là, ça va être une question de peut-être régler la défensive à Laval là, pour qu'ils puissent recommencer à gagner puis être dans une des meilleures équipes comme il l'avait été la dernière saison. On va faire la transition, là, puisque tu parles de Laval, Dave. Il y a eu aussi un échange là, entre les deux équipes. Pierre-Maxime Poudrier contre Mathieu Medley, qui a été au Pétrolier de Laval. Tu l'as parlé un peu, la défensive. Ils ont eu de lourdes pertes à travers les dernières années, là, les Pétroliers. Charlie Roy, Julien Leduc, Julien Brouillette, un gros morceau. Ouais. Donc,
Peut-être que Mathieu Medley pourrait combler là, ces pertes-là, vous pensez, les boys? Ben ça, c'est sûr. Mathieu Medley, c'est un warrior, c'est un vrai. C'est, on en parlait de l'épine, là, des gars qui est fait pour la Ligue, mais Mathieu Medley, ils en font plus des défenseurs comme ça. Je vous un grand respect pour Medley. Le Med, c'est un gars qui est. C'est un vrai. C'est pas, oui, il est bon offensivement, il est bon défensivement. He's hard to play against. Il est très dur à jouer contre. Il a tout le temps le petit. Il est là dans ta face, le petit coup. Il est présent. Med, là, c'est toute une acquisition pour Laval. Tu sais, tu parlais de Julien Brouillette, ça leur fait mal, Julien Brouillette, là, la perte de Julien Brouillette. Je pense que c'est ça qu'ils voulaient combler. Ils sont très bons offensivement. C'est sûr qu'ils vont. Ils ont la chance, comme Sorel, de pratiquer à tous les mercredis. Fait que ça, c'est sûr qu'ils vont mettre l'emphase là, sur la défensive. C'est pas une équipe qui a un problème de scorer des goals. Là. Laval, là, avec les Pocoloc, les Bureau-Blais, les Messenhauer, les Desrosiers, les Bouchard. Je pense pas qu'il y ait un problème de scorer des goals. Là. Fait, c'est sûr, c'est juste 4 games. Oui, ils ont une victoire, 3 défaites, mais c'est une équipe qui va se replacer. Là, pis, j'en doute même pas. Ils vont mettre les bouchées doubles aux pratiques pour être bons défensivement. Puis on parlait aussi de Sorel. Je vais rajouter sur Sorel. Je suis pas étonné des scores en fin de semaine parce que je vais te le dire, Sorel, c'est une des organisations depuis des années dans la Ligue. Tu n'auras jamais un festival offensif contre Sorel. C'est une équipe qui est très, très bonne dans un système de jeu. Tu sais que même s'ils ont des gut skills embarquent. Fait que tu sais, gagner des games 2-1, eux autres, ils buy in. Eux autres, gagner des games 1-0, ils vont buy in. Puis ils ont le power pour scorer avec des Mace, des Gadouri, des Brodeur. Tu sais, ils ont le power up front pour les scorer les goals. Fait que, c'est une équipe, puis on parle de deux équipes en ce moment qui pratiquent à tous les mercredis. Ça fait beaucoup, beaucoup ça, dans une saison régulière quand tu as la chance de pratiquer à tous les mercredis soirs. Mais tu peux pratiquer ton power play, ton piqué, ta zone défensive. Comme je t'ai dit, Sorel, c'est une équipe qu'à chaque année, j'ai toujours de la misère à jouer contre eux autres parce que des deux contre un, si t'en as un, t'es mieux en tabarouette de le mettre dans le fond du net parce que t'en auras pas 12 dans le game des deux contre un. Fait que, c'est une équipe qui a buy-in dans un système, c'est pas pour rien qu'ils gagnent back-à-back. Puis ils sont contenders depuis une couple d'années. Ils sont là parce qu'ils jouent dans un système, puis ils jouent serré, puis les gars sont disciplinés dans leur système. Mm-hmm. Mathieu Ricard là, qui dit aussi André Bouvet-Morissette. C'est vrai, j'avais oublié Bouvet-Morissette aussi. Il y en a là, des gars pour la mettre dedans. Là. C'est pas, puis je veux pas, j'en ai oublié, puis il y en a d'autres. Là. Mais c'est une équipe qui est très bien. T'sais, on pensait avec la perte de certains défenseurs dans les dernières années que whoops, ça changerait la donne un peu. Non, les gars sont tellement buy-in dans le système que ces gars-là qui sont partis, ils ont quand même bien remplacé. Là, on va aller peut-être, là, je ne sais pas si vous voulez aller tout de suite là, aux entrevues. On pourrait peut-être mettre un petit vidéo là, des top 5 des meilleurs jeux. Là, je pose une question, les boys. Bon, non, mais. Sont-ils prêts, les deux Malouins? Sont-ils bientôt prêts, les deux Malouins? J'ai hâte de leur jaser. Là. On est dans la salle d'attente. On va aller avec la vidéo de top 5 des jeux de la semaine dernière. On va aller à l'entrevue, puis on va continuer par la suite là, à parler des autres équipes. All right? Yes, sir. Okay. Excuse-moi, s'il y a fait changement, un podcast, pas de bière, là. Je suis sur l'eau, c'est bizarre. Hein? Alors, je joue vendredi. Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'on joue vendredi, on n'est pas lundi. Hein. Nicolas Foulin qui reprend, une passe derrière pour Hamelin, à Poudrier qui laisse pour Bilodo, le tir, l'arrêt, le retour de Hamelin! Au centre. Conserve la rondelle. Entre dans le territoire des éperviers. Déborde. Contourne le filet. Veut remettre devant. Encore une fois un jeu de Picard. Gardien de but! Oui. Encore une fois un jeu de Picard. Comment je peux vous dire ça? De quelle manière? Juguère, c'est pour Wattier. Laisse à la break, à 2 contre 2, alors que Goulet tente de se démarquer. C'est fait, il s'amène seul, le tir, et c'est le but! Alexandre Goulet qui nivelle la marque très rapidement.
Goulet qui en a fait voir de toutes les couleurs hier dans la victoire des siens avec un doublé. Un tir, bel arrêt de la jambière de Saint-Laurent. Oh, quel arrêt! Quel arrêt de Karel Saint-Laurent, mesdames et messieurs! Wow, la glissade, Jean-Michel, c'était de toute beauté. C'était beau brisement, désolé. Alors qu'il s'est intercepté du côté de Potvin, Potvin dans l'Atlantique. Quel arrêt! Quel arrêt de Saint-Laurent, mesdames et messieurs! Karel Saint-Laurent, ça donne des airs de Carey Price pour donner l'adversaire, mesdames et messieurs! À Goulet. Goulet, belle feinte devant le défenseur. Il réussit également à déjouer de celle. Il marque un troisième but. C'est maintenant l'égalité 3 à 3. Messieurs, on est là. Hey, salut, boys. Allô? Jérémy, comment ça va, les boys? Le meilleur des Malouins, j'adore ça. J'adore ça. C'est moi, ça, hein? C'est ça? Ah, c'est ça. Ça va, les boys? Ça va, les autres? Ça va bien, merci. Yes. Hey, moi, je vais commencer tout de suite. Je vais y aller. Moi, on se lance dans le show. Là. Un des deux, répondez-moi, c'est qui a le meilleur pied de pied danseur entre les deux? Là. Moi, elle sait, je l'ai vu pendant la séquence, c'est qui, là, mais j'aimerais ça savoir c'est qui a le meilleur pied danseur là, entre les deux. Moi, je pense que sur un plancher de danse, c'est Jim. Moi, je danse comme un hippopotame. Je suis ordinaire au bas. Mais je pense que sur une glace au bout de la ligne, je finis par mieux danser que mon frère. Parce que là, on l'a vu, la danse. Là. Elle venait de où, cette danse-là? Il y a un des deux qui me répond. Là. On l'a tout vu. Puis c'est correct, ça fait partie du spectacle. Puis j'adore ça. Mais tu sais ce qui s'est passé? C'était pourquoi, cette danse-là? Nous autres, Rick Haley, on l'aime beaucoup. C'est un de nos anciens coachs. Puis Rick, on l'a tout vu durant la pandémie. Il faisait gros des TikTok avec sa famille, là, de la danse. Ouais. Un moment donné, Rick, il m'a regardé puis il m'a pointé le tableau à 2-0 parce qu'il parlait avec mon frère ou je sais pas trop. Fait que là, ça m'a trotté dans la tête. Puis là, rendu à 4-2, 5-2, c'est là que je l'ai regardé. J'ai dit, Rick, check le tableau. Puis là, Rick étant Rick, là, il a voulu allumer la foule un peu. Fait qu'on a dit, pourquoi pas faire un petit TikTok, c'est le temps. Il va se mettre là, il a jasé après la game. Puis c'était bien comique. Hey, on va commencer avec le meilleur des Malouins. Jay, je vais te poser la question. Tu sais, cette saison dans la Ligue, tu entends ta septième. Tu as déjà été capitaine dans le junior à Batters dans le temps. Ta première en tant que capitaine du Marquis. Moi, je connais la réponse, là, mais pour le monde qui connaisse un peu moins Jay, tu sais, je sais que ça ne changera rien dans ta game parce que c'est un gars qui a une façon de jouer, Jay. Mais tu sais, pour toi, l'honneur d'être capitaine du Marquis, qu'est-ce que tu veux amener à l'équipe? Comment tu vois ça? Ben, ça ne changera pas vraiment ma game hors glace, à glace. T'sais, c'est vraiment. Je suis vraiment content d'être capitaine. T'sais, on a parlé avec Bob. Bob, il avait parlé avec moi, mon frère. T'sais, il a dit, t'sais, gars, quel des deux que vous le voulez. T'sais, il n'y a pas. T'sais, on a tout un beau groupe de leaders. Il n'y a pas. Bob, il n'y a pas de juste préféré. C'est vrai, ça. Il n'y a pas moi, c'est le capitaine ou t'sais, l'autre. Il y a Alex Picard et tout, qui est le heartbreaker. Là, Alex Picard, il aurait pu être le. Il aurait pu être tout le capitaine, tu sais, fait que... Mais je suis bien content d'avoir été nommé, puis tu sais, il y a les... j'ai été bien coaché avant avec des Bruno Saint-Jacques, des Hugo Carpentier, puis là, je nommerai pas Kennel parce qu'il serait trop fier là, d'entendre son nom à votre podcast. j'ai été bien coaché avant, tu sais, puis on a toujours eu un beau noyau de gars, fait que... En espérant ramener un peu la philosophie plus dans le temps, comment que ça faisait mal venir à Jonquière. On essaie de ramener ça un peu, montrer ça aux jeunes qui ne connaissaient pas ça. T'sais. Ouais, ben on a vu ça vendredi dernier un peu à Rivière-du-Loup. Là, ça brassait un peu en troisième. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as marqué le but dans le filet désert? Ça a comme parti une petite foire, comme on dit. Mais ça, c'est moi, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, ça arrive souvent dans plusieurs équipes, là, lorsqu'il y a un défenseur qui est capable de jouer physique,
Puis moi, j'étais habitué de jouer à l'avant, mais ça arrive souvent que je joue à l'avant. Donc, en fin de game, je veux m'assurer que nos bons joueurs n'embarquent pas sur la patinoire. Donc, ça arrive souvent que je vais embarquer. Puis, c'est pas nécessairement pour me battre ou quoi que ce soit, mais tu sais, je connais mon rôle. Puis, j'aime mieux être sur la glace quand il reste une minute, puis la game est finie, que de voir, je sais pas, un gars comme Picard, un gars comme Véropol, un gars, tu sais, être sur la glace, peut-être se faire violenter ou quoi que ce soit. Fait que, puis là, comme de fait, j'embarque sur la glace, je fais même pas 10 secondes, mon frère se compte dans un filet désert. Puis, il y avait un joueur de l'autre côté qui a chalé mon frère toute la game. Puis, je me suis donné, je me suis retrouvé devant lui. Fait que, tu sais, je suis juste arrêté. Puis, il me dit, il commence à me parler un peu. Mais évidemment, j'étais un petit peu à fleur de peau. Fait que le coup de poing est parti. Puis après ça, ben, la mêlée s'en est suivie. Il y a une affaire que je ne comprends pas là-dedans. C'est que pourquoi mon but dans un filet désert n'était pas dans le top 5 qu'on a vu avant de commencer. C'est quand même une strike dans le milieu, tu sais. Parce que tu shots des pentes de bois. C'était dans le drain, ça. On va se dire, c'était dans le drain, ça. On va se dire, tu joues plus au deck. Je ne sais pas, c'était la vidéo de la semaine d'avant. Ah, ben là, regarde, tu vois. C'est du week-end ça. Dernier, ouais, peut-être David Lamy, on le sait pas ça encore. Ça va être une surprise, ouais. Moi, j'ai une question, et boys, j'ai quand même vous parler du noyau à Jonquière. Puis, on le sait, il y a Kenel en est un qui est parti. Vous avez quand même gardé de nouveau un peu le noyau, mais vous avez greffé de nouveaux joueurs. Là. Il y en a beaucoup de nouveaux qui sont rentrés, des jeunes. Tu parles de garder un peu la mentalité, retrouver la mentalité d'avant. Tu sais, votre job en tant que les deux, ça fait 7 ans que vous êtes dans la ligue, là, tout passé à Jonquière. Tu sais, comment tu essaies d'amener cette mentalité-là aux jeunes qui rentrent dans l'organisation à Jonquière, qu'il faut que ça soit dur venir jouer. Tu sais, on se souvient du temps des paiements et Bolduc à défense, comment c'était pas le fun de venir jouer contre eux autres. Tu sortais de là, tu marchais plus du reste de la semaine. Tu sais, juste savoir comment vous essayez d'amener cette philosophie-là à Jonquière avec les nouveaux jeunes. Hein, c'est un dur de mots, ça, moi, t'as dit. Puis je bois de l'eau en plus à soir et tard. Ben, ouais. Justement, Bolduc, Louis Paiement, Louis Tremblay, puis Joe Paiement étaient partis. L'année d'après, mon frère a trouvé ça dur un peu parce que nous autres, on n'était pas sur le front line avec ces gars-là, mais quand les gars sont partis, on a dit OK, la philosophie, c'était ça, on veut garder la même affaire. Je pense que les gars, ils ont comme eu de la misère un peu à buy-in au début. T'sais. Ça, c'est, je te parle de là, peut-être 3 ans. Fait que ça, c'était quand même dur, mais les gars, après ça, ils ont comme embarqué un peu dans le moule. Puis là, je pense que les gars que style, même qui sont pas physiques, mettons Breezer, Mathieu Brisebois, c'est un gars qui est skills, mais il sait, il rentre dans la chambre. Ton cellulaire, c'est des niaiseries de main. Ton cellulaire, tu le mets dans tes poches, puis c'est réglé. Après la game, tu t'extras ta blonde, puis tu te concentres sur le hockey, tu te concentres. Fait que je pense que c'est toutes des petites affaires qui fait que tu ne parles pas à l'autre équipe durant le warm-up. Tu sais, Tiff, on n'est pas. Mon frère, il t'aime beaucoup, puis on ne se connaît pas énormément, mais on parle pas dans le warm-up, puis on. On est des adversaires, puis après la game, ben, on prendra une bière ensemble, il n'y a pas de stress, mais c'est sûr que pendant la game, mon meilleur chum, l'autre bord, c'est Charles Power avait joué avec le Cool FM, puis Chris, j'avais cassé mon poing sur la gueule durant la game, puis même affaire, quand on a joué, moi contre mon frère, ça avait fait la même chose. C'est ça que j'allais dire, la première game qu'on a joué, moi contre mon frère, quand j'étais à Cornwall, c'est après un shift, puis les deux, on était dans le banc de punition, chacun de notre bord, à se taper sa gueule, tu sais. Mais tu sais, je veux dire, je pense que la mentalité qu'il y avait du Marquis auparavant est bien différente d'aujourd'hui. On a essayé de garder le plus possible avec la réalité de la game aussi qui a changé beaucoup. Là, on s'entend quand on est arrivé dans la ligue, il y avait 2-3 toughs habillés sur le banc. Là, maintenant, il y en a beaucoup moins. Ça joue beaucoup plus. Il y a beaucoup moins de gars qui arrivent du junior qui sont prêts à acheter les gants ou à jouer une game tough. Mais ça reste que, c'est ça, je pense que les gars, ils comprennent aussi de où ce qu'on arrive, puis eux arrivent avec leur philosophie, puis je pense qu'on est capable de faire la part des choses pour être capable de bien merger ça, puis quand même de garder une philosophie de gars qui travaillent fort, qui sont physiques, qui sont capables de mettre un peu à marre, mais en même temps, on a des gars, bien évidemment, on a des gars skill comme dans toutes les équipes là, pour rivaliser, pour être capable de la mettre dedans aussi, parce que c'est pas moi, mon frère qui remplisse la net, on va se dire tout de suite. Ah, tu es en powerplay, Dan, pareil, en avant du net des fois. En avant du net, le Dan. Le dernier coup, j'ai joué en powerplay, je joue en avant du net, puis on a gagné une coupe. Mais ça, là, Bob, il a pas compris le message. Je sais pas si Bob y écoute. J'aimerais ça en astuce, peut-être qu'il va être en fin de semaine en avant du net. Parlant de toughness, il y a François Bellefleur là, dans le chat qui dit « Danick, quand vas-tu geler Bourque? »
Une question à 100$, ça. Mais première chose, autant on est des adversaires, mais je pense qu'Adam Leblanc-Bourg qui se bat super bien. Là, quand il a à se battre, puis je pense qu'on est deux joueurs qui se ressemblent beaucoup dans nos rôles. Là, c'est un gars qui est sur la 3, qui joue comme 5-6e def à Sorel, un petit peu comme quand moi je joue à l'avant ou que je joue à Jonquière. Fait que, écoute, ça va peut-être arriver un jour, mais c'est un combat. Fait que autant t'en donnes que t'en reçois. Ça va peut-être m'arriver aussi un jour. On le souhaite pas, mais c'est ça qui arrive. En parlant de la fin de semaine, au pire, je m'enlève de là, c'est pas grave, là, mais home and home, Saint-Georges en fin de semaine. Tu te prépares, on le sait tous, il y a quand même une petite rivalité entre les deux organisations. Il y en a facile, il y a 6 clubs dans la ligue, là, mais on se voit, on est du coin pareil, on est dans le nord du Québec, là, les deux, on est Québec et Jonquière, fait qu'il y a une petite rivalité qui s'est créée, on s'est affronté en série. Comment tu te prépares pour un week-end home and home? Des fois, tu joues une équipe. Par exemple, tu vas jouer Saint-Georges, puis le lendemain, tu joues Thetford Mine. Mais tu sais, un back-à-back contre le même club, comment tu te prépares un peu dans cette mentalité-là en affrontant le même club dans la même fin de semaine? Moi, de mon côté, je suis pas. Mon frère va peut-être être différent. Ben, il est différent, là. Mais moi, je vais game pour game, puis tu sais, que ce soit Saint-Georges, que ce soit Laval, que ce soit. Tu sais, je me changerai pas tant, là, tu sais, même si. Plus dans le temps là, qu'on allait à Laval puis il y avait 8 offres, ben regarde, si tu veux. On me prépare ma game, puis regarde, ce qui arrivera, je suis prêt à toute éventualité. Je suis prêt qu'il y ait la générale, comme je suis prêt que ça finisse 9-5, comme je suis prêt que ça finisse 2-1 ou 1-0. Ou, mm-hmm. On va y aller go with the flow, puis c'est pas. Il n'y a pas de stress. Je veux dire, rendu là, c'est notre 7e année, puis on a vu d'autres un petit peu. Fait que. D'une certaine façon, il n'y a pas vraiment de stress. Non, c'est ça. Mais écoute, moi, de mon côté, comme Jim a dit, là, c'est sûr que c'est notre 7e année. Fait qu'une année, on finit par connaître les équipes. J'avoue que je suis pas mal moins stressé que les premières années quand on pognait d'autres clubs et que j'allais voir des vidéos, voir les gars. Il y avait de l'air de quoi, puis ils se battaient comment, puis ils faisaient quoi. Puis maintenant, je connais pas mal les gars, puis... T'sais, je veux dire, oui, je me prépare, je veux dire, peut-être un petit peu plus que mon frère. Là. Moi, t'sais, je vais patiner un petit peu plus la semaine. T'sais, mon frère, il a moins tendance à patiner, puis ça l'affecte pas vraiment sa game. Tandis que moi, je vais essayer de toucher à la glace un petit peu avant. Mais t'sais, le fait de jouer un back-à-back, ben, principalement à Saint-Georges-Tetford, ce qu'on aime, c'est qu'en plus, on va avoir la chance de pratiquer nous autres samedi matin. Mm-hmm. Donc ça, c'est sûr, ça fait une différence. Ben, Tiff, tu le sais, avec Saint-Georges, vous ne devez pas pratiquer souvent non plus. Ben, non, mais on a 11 pratiques cette année. On pratique à tous les samedis. Comme samedi, on va pratiquer. Samedi passé, on a pratiqué. On essaie de profiter du samedi pour pratiquer. C'est là, mais ça. T'sais, nous, on a eu comme le camp d'entraînement qu'on a eu une fin de semaine de pratique. Puis après ça, on n'a pas pratiqué depuis. T'sais. Quand on regarde les power play de tous les clubs, les breakouts, on voit que, mettons, quand on a pogné Laval juste en pre-season ou Sorel en début d'année, il était organisé, il était prêt. Puis, pas qu'on n'était pas prêt, mais mettons que la première game, on pratiquait nos breakouts plus que le setup dans la zone autre bord. On avait de la misère à setuper et tout, c'est normal. Mais tu sais, le fait là, de pouvoir pratiquer, je pense que ça va nous aider beaucoup. Puis, rapidement, je pense qu'on va rattraper le temps perdu, puis ça va nous aider assurément. Ben, tu sais, tu parles de powerplay, puis tu sais, le pire, là, c'est qu'avant la game, vous savez, là, je suis comme Fern, moi, dans les boys, là, vous savez, j'aime ces stats. Puis, tu sais, je m'amuse des fois à regarder les stats. Puis, le powerplay, c'est quand même le bread and butter de cette ligue-là. Là. Ouais, si ton powerplay roule dans cette ligue-là, tu vas gagner des games parce qu'il y en a quand même beaucoup de pénalités. Fait que ton powerplay, puis tu sais, on le sait tout, là, tu sais, à Jonquière, t'as des Picard, Véropole, Paradis, Rien d'eau, Brisebois, tu sais, je dis, t'en as là, des gars qui ont roulé des powerplay là, dans leur ligue où ils étaient. Mais quand tu pratiques pas, ça paraît. Puis tu regardes les trois dernières équipes dans la ligue en powerplay en ce moment, c'est Rivière-du-Loup à 5%, Thetford à 11%, puis Jonquière à 13%. Mais c'est toutes des équipes qui ne pratiquent pas dans la. Les deux premières équipes dans la ligue, c'est Laval et Sorel. Ben, c'est ça. Tu le vois drette là, pourquoi qu'eux autres, leur powerplay roule, ils pratiquent. Jay, tu joues en piqué, tu le sais, le pogné Laval là, en piqué, Dan aussi. Là, tabarouette, ça roule en tabarouette. Là. Tu te pognes un mal de cou, pas à peu près, à regarder à gauche, pas à droite. Pas compliqué. On s'adapte après un ou deux powerplay qui finissent souvent à un but. T'sais. C'est pas comme souvent, mettons, au style la dernière game, on a pogné Rivière-du-Loup. T'sais, ils ont eu des chances d'un premier powerplay, mais tu vois qu'il était un peu. T'es un peu décousu comme nous autres. Mm-hmm. Ben, Chris, c'est moins pire. Laval, oublie ça. Là, c'est son rodé bien raide, Sorel, même affaire.
T'sais, la première game, la première fin de semaine à Sorel, on était chanceux. Là, on a bloqué des shots, on était dans les shooting lanes, mais il faut être chanceux et tout que la POC nous pogne de temps en temps. T'sais. Mm-hmm. Puis t'sais, on a bloqué, d'après moi, 8-9 shots parce que ça aurait pu finir en carnage comme souvent c'est arrivé à Sorel là, dans les débuts de saison, justement à cause de tout. Que les gars sont plus rodés, ils ont pratiqué, sont prêts à. Mm-hmm. Sont prêts avec le power play et le piqué. C'est un peu ça ma question, justement. Vous avez joué 3 parties, contrairement à d'autres équipes, 4 parties. Votre début de saison, quand même, 2 victoires, 1 défaite. Comment vous trouvez votre début de saison? Peut-être l'adaptation avec les nouveaux joueurs, l'inactivité à cause de la COVID, tout ça? Ben, personnellement, je pense que Jim va être un peu comme moi. Là. C'est sûr que le fait d'avoir eu, mettons, depuis qu'on a recommencé, là, on a pratiquer une fin de semaine, on avait 3 pratiques. Après ça, on a eu comme 2 matchs hors concours que nous, on voulait jouer. Là, parce qu'évidemment, on voulait se remettre dans la game. Puis après ça, on part une fin de semaine contre Sorel qu'eux étaient prêts, ils étaient rodés. Puis en fin de semaine passée, c'est correct de jouer une game, mais en même temps, t'en joues juste une, tu te mets pas dans le beat à tous les semaines. Si on avait pogné une couple de semaines en ligne, donc c'est sûr que c'est pas nécessairement facile. Puis il y en a qui l'ont plus facile que d'autres. Je ne vous mentirai pas que rendu à 31 ans, c'est plus dur de se remettre en forme et d'être prêt pour une saison qu'un gars qui arrive universitaire ou qui arrive d'East Coast, mm-hmm. qui a joué en Europe l'année passée. Ou, fait que ça, c'est sûr, ça fait une différence. Mais t'sais, tranquillement, pas trop vite, je pense qu'on est en train de repogner le beat. Puis, pas qu'on n'est pas pressé, mais comme Bob, il le mentionne aussi, il l'a mentionné dans les dernières entrevues, mais oui, on est en saison présentement, mais on est encore en camp d'entraînement à se setuper, à regarder, tu sais, c'est quoi les match-ups qu'on va avoir, autant powerplay qu'en piqué, autant nos pairings à défense, nos trios. On est encore en train d'essayer plein d'affaires, ce qui fait que on est tant mieux. On a 2 victoires, 1 défaite, mais même si on serait 0-3 depuis le début de l'année, je pense pas qu'il y aurait une grosse panique à y avoir du fait qu'on est en train de trouver les combinaisons gagnantes. Puis la journée que ça va être setupé, ben là, à partir de là c'est mieux de marcher. Là. Mais je veux dire, présentement, ça va pas mal quand même depuis le début de l'année là, dans les circonstances. All right. Donc, les boys, on va continuer là, avec notre petit tour d'horizon. Je vais vous dire merci. Et peut-être, là, je ne sais pas si combien ça va finir, le home and home, là, Jonker, cool, 1-1, chacun, pas de chicane, chacun gagne une game. Moi, à soi, je fais partie de la Ligue nord-américaine. Ah! Je répondrai ça vendredi. Nous autres, c'est pas compliqué, on perd pas à la maison. Fait que rendu là. On verra rentrer à Saint-Georges. Je te dirais que c'est la même affaire à Saint-Georges, c'est pas pour te perdre à la maison. C'est sûr. Mais les boys, je vous souhaite une bonne saison. On se reparle dimanche parce qu'on n'a pas le droit de se parler vendredi, samedi. On se reparle dimanche, mais good job, les boys. Lâchez pas votre bon travail, sérieusement. Puis c'est toujours plaisant de jouer contre vous autres, même si des fois, ça en est fatigant. Mais des gars comme vous autres dans la ligue. Sérieusement, là, tiens, j'ai vu quelqu'un qui a commenté là, les Malouins, les Lausiers, les Villemaires, il n'y en a plus beaucoup dans cette ligue-là. Continuez votre bon travail, les boys. Là, c'est plaisant de vous voir jouer. C'est le fun de jouer contre vous autres, même si des fois ça fait mal. Mais sérieusement, c'est la beauté. C'est pour ça qu'on joue encore. Love of the game à 37 ans, moi là. C'est une des raisons pour ça. En terminant, il y a Steph Périgny qui dit ben oui, quand tu me fais mal, la morgue de ma petite, ça. Bon, ben sur ces belles paroles, les boys, il faut vous souhaiter un bon match en fin de semaine. Hey, c'est gentil. Bon. Merci beaucoup, les boys. Ciao, bien. Les boys. Rendu là, piche la brassière. Thanks, les boys. All right. Sérieusement, là, pour le monde là, qui connaissent pas les Malouins, là, c'est comme j'ai un peu, on explique. Ils ont un rôle, ils la jouent à merveille dans cette ligue-là. C'est des gars qui sont capables de jouer au hockey, mais c'est des petites pestes, ils sont dans ta face. Ils sont capables de se pogner quand c'est le temps de se pogner. Ils sont capables de jouer au hockey. Jay est capable, très bon. Là, tu sais, Jay, souvent j'en ai parlé, mais c'est une des meilleures lignes qu'il y avait dans la ligue comme troisième ligne. Là, était tough à jouer contre. Il amène de l'énergie. Il est in-your-face game. Il est capable d'en mettre un dedans de temps en temps. Il y a des points dans la ligue pareil. Fait que, les Malouins, là, c'est quand même des gars qu'on comme il disait, Lausier, des Villemaires, des gars de même. Il n'y en a plus beaucoup dans cette ligue-là, des gars comme ça. Les jeunes qui vont arriver, est-ce qu'il va en avoir des gars comme ça?
T'sais, on ne sait jamais, mais t'sais, des gars de même, là, ça t'en prend dans ton équipe. Puis, t'sais, Jonquière est chanceux de. T'sais, je dis, on en a nous autres ici à Saint-Georges. Comme je dis souvent, là, à soir, je fais partie de la Ligue nord-américaine et non, là, du coup, les faits. Mais t'sais, ils sont chanceux à Jonquière d'avoir des gars comme ça dans leur line-up. Yes. On va en parler justement du Cool FM. Là. C'est une des équipes qu'on n'a pas beaucoup parlé. La première partie, vendredi, vous avez gagné 6-4 contre les Pétroliers. Wayne Letourneau a 2 buts dans cette partie-là, notamment. Quand même un bon début de saison là, pour Wayne Letourneau. Et dans la deuxième partie, il va falloir que tu nous expliques, là, Tiff, qu'est-ce qui s'est passé. Défaite de 9-4 contre Rivière-du-Loup. Tu sais, il faut toujours que tu comptes, là, tu sais. C'est un peu ce que Jay a dit tout à l'heure, puis Dan, c'est pas parce que tu commences 0-3 que tu n'as pas un bon début de saison. C'est une question d'adaptation. Rivière-du-Loup était quand même dans la game à toutes les games qu'ils ont joué depuis le début. Là. Tu regardes, ils menaient contre Thetford Mine dans la première game de l'année, ils ont perdu. Ils menaient 2-0 contre Jonquière, ils ont échappé la game. T'sais, c'est une équipe qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux joueurs. Là. Tu regardes les Saint-Cyr, c'est beaucoup de nouveaux joueurs. Ils ont greffé une couple de nouveaux joueurs. On est arrivé là-bas, je te dirais que les 10 premières minutes, on a eu des chances de scorer. Ils ont bien joué défensivement. Ils ont coupé les chances qu'on avait. Là. On a eu 2-3 belles scoring chances en partant, ils n'ont pas mis dedans. Ils sont venus l'autre bord, leurs gros joueurs, les Tourigny, les Guillon, Asselin, Saint-Cyr, Marcotte. Trouver le moyen de la mettre dedans. Ils ont fait la différence. Puis à un moment donné, dans cette ligue-là, à un moment donné, quand c'est rendu 5-6-0, ben, on a commencé à jouer un peu. À l'intimidation, si on peut dire. On s'est sorti un peu de notre game en pognant des 2 minutes, en courant un peu après ça. Puis, tu sais, j'enlève rien. Le crédit, Eric Haley avait préparé son club à 0-3. C'est jamais le fun. C'est pas le fun. Tu reviens à la maison. Tu veux donner une victoire à ton organisation, à tes fans. Puis, crédit sérieusement, à Rivière-du-Loup, ils ont sorti une grosse game. Puis, nous autres... On est sorti fort, mais on est tombé flat assez rapidement. Puis la veille contre Laval, là, une force de caractère, là, nos jeunes, tu sais, des Wayne des tourneaux que tu as nommés, on a Baudry Ouellette, le petit Veillette, tu sais, je veux pas en oublier, mais tu sais, tous les petits nouveaux qu'on a rentrés, des jeunes, ils commencent à faire leur place. C'est Wayne qui score. Nos défenseurs, on a 4 goals dans cette game-là sur 6 qui venaient des défenseurs. On perdait 3-1 dans le game, on n'a jamais lâché, on n'a pas baissé les bras, on est revenu de l'arrière tranquillement. Puis on s'est fait scorer à 5, ils ont mené 5-3, ils ont fait 5-4, on a scoré dans un filet désert avec Nadeau. Dans les années précédentes, on était une organisation des fois qui, quand on avait de la misère à gagner des games, là, on ne sera pas de cachette. Fait que quand on menait des games, on se faisait rattraper. Des fois, on baissait les bras assez rapidement. Cette année, on a changé un peu notre mentalité. Puis, regarde, tu vois, on est revenu de l'arrière dans une game que, tu sais, Laval jouait très bien. Puis, 1-1, c'est quand même pas mauvais, mais de la manière que la 1-1 se fait dans une défaite de 9-4, a fait un petit peu mal. Je te mentirais pas. Mais, tu sais, pour le début de saison, 2-2, c'est pas mauvais non plus. On est quand même bien où ce qu'on est. Puis, tu sais, on regarde l'avant. Là, comme un peu Danick puis Jay ont dit en début de saison. Là, moi, j'ai toujours dit la saison de la Ligue nord-américaine, là, c'est 36 games de 1 à 12. La game 1 à 12, tu te rodes un peu, tu essaies de roder, tu mets tes échiquiers à la bonne place. Puis tu essaies de trouver les bonnes combinaisons. De 13 à 24, tu commences à pick-upper le beat. Puis de 25 à 36 en montant, c'est là que tu vois, tu sépares les enfants des hommes. Puis sérieusement, c'est le même que je le fais. Fait qu'on est encore dans la période du 1 à 12. Tu essaies de voir les match-ups de ligne. Puis après ça, tu sais, comme je te dis, tout le monde fait série. Là. Au bout de la ligne, tout le monde fait série. C'est juste que tu ne veux pas finir sixième. Pour le monde, je sais que David comprend un peu comment ça se passe. Mais pour le monde qui ne savent pas, dans la Ligue nord-américaine, il y a 6 clubs dans les séries. Le 1 contre le 6, le 2 contre le 5, le 3 contre le 4, ce qui donne 3 gagnants. Puis il y a une mini-série de 2 de 3 pour dans les 3 équipes éliminées, les 2 meilleurs au classement général. Fait que fais le calcul, le 6 n'a aucune chance. Le 6 ne passera pas. Fait que la logique, c'est 1, 2, 3 gagne, 4 contre 5 qui s'affrontent dans un mini de 3 pour en revenir dans les séries. Fait que tu sais, c'est sûr que ton objectif, c'est de ne pas finir 6e non plus. Tu essaies de finir un peu plus haut, au moins d'avoir ta 2e chance en série s'il arrive quelque chose. Il y a le cousin qui dit Mathieu Nadeau a joué un bon match vendredi.
Puis Mathieu Nadeau dit merci pour la pub. Mention aussi là, dans la deuxième partie contre Rivière-du-Loup, là, Matthew Newberry qui est allé d'un tour de chapeau. Choix de troisième ronde en 2021 pour le Cool FM. Il a été aussi nommé là, deuxième étoile de la semaine. Donc, Sam Huot qui dit le kid Newberry a snipé quelques goals comme dans le temps. Ben, le kid Newberry, tu sais, il est rentré à sa première game parce qu'il avait un gros game winning goal la semaine passée. Son premier goal dans la ligue, c'était un game winning goal. Vendredi, avec Charpie qui était de retour, Marco Charpentier qui était de retour, on avait une couple de gars. C'est triste, mais quand tu es une recrue, tu sais, des fois, tu sautes ton tour. Là, dans la ligue, on avait quand même une couple de vétérans, tu sais, des Piper, des Veilleux, des Lacroix, des Verrettes, des Charpie. Il a sauté son tour. Kid l'a bien pris. Il était à la game vendredi. Il était dans la chambre. Il a fait le warm-up. Il était présent. Samedi matin, on a pratiqué. Le kid est arrivé à la pratique sharp. Puis, gars, il récolte le samedi. Il ramasse trois goals, dont un qui était très beau là, en rentrant off-wing, qui va probablement. Deux de ces trois pourraient être dans les highlights la semaine prochaine. On va te le dire. Là. Il y en a un off-wing en rentrant top shelf. Puis l'autre en fin de game sur un shot, sur un face-off. Qu'il y a eu un eye coordination, le puck était dans les airs, il a attendu qu'elle descende en bas de ses épaules, puis il l'a tapé au vol, qui était complètement incroyable. Tu vois que le kid, il est quand même assez sniper. Là. Fait que non, c'est un jeune qui essaie de prendre sa place dans un alignement, puis il fait très bien ça depuis le début. Là, notre ligne de recrue en fin de semaine, là, samedi, a été notre meilleure ligne. Les trois jeunes ont été incroyables, là, malgré la défaite de 9-4. On va te donner un scoop, il y en a un des deux dans le top 5 cette semaine. C'est ce que je pensais. Je m'en doutais qu'il y en avait un des deux qui était dans le top 4, dans le top 5. En terminant, il y a Charles Bolduc qui dit « Question pour le TIF, Will Breton, Raph Maheu, ça va-tu revenir dans le line-up? » Will Breton devrait revenir de la Lettonie bientôt. Je pense qu'il est en Lettonie. Will, c'est un gars de l'armée. Il était parti depuis longtemps. Là. Il devrait revenir cette semaine. J'ai hâte de le revoir. Puis pour Raph Maheu, ça va dépendre. Tout dépend de lui. C'est tout ce que je peux dire. Là. Ça va dépendre de lui. Il est pas mal occupé ces temps-ci. Mais oui, on a très hâte de le revoir. On ne sera pas de cachette qu'un Raphaël Maheu dans cette ligue-là, c'est tout un défenseur. Là. David, tu l'as vu jouer, Raphaël, qui est un très, très jeune défenseur, très bon dans cette ligue-là. Fait que, pour Raphaël, là, je ne peux pas répondre, mais le kid breton devrait être de retour très bientôt. Là. Good, good. Bon, c'est un top pairing defenseman, Maru, dans cette ligue. Facile. Donc, on va parler de Rivière-du-Loup maintenant. On a parlé de leur victoire de 9-4. Maxime Saint-Cyr, première étoile de la semaine. Yannick Asselin aussi. Grâce au Cool FM, deux joueurs de Rivière-du-Loup qui sont dans les trois étoiles de la semaine. Donc, c'est bon pour les stats. Tourigny a fait ses premiers points là aussi en fin de semaine. Oui, ben, tu sais, je pense que c'est super bon pour Rivière-du-Loup, cette game-là. Parce que, tu sais, comme tu l'as mentionné, on ne se cache pas. T'sais, oui, il avait été serré dans toutes les games qu'ils ont joué, mais tu sais, être 0-3, tu ne veux jamais commencer 0-3. Puis, surtout que tu retournes à la maison, tu veux faire plaisir à tes fans aussi, surtout quand tu as un début de saison plus difficile. T'sais, tu rentres plein de nouveaux joueurs dans le line-up aussi. Ouais. Les fans, ils ne connaissent peut-être pas tout. Fait que d'avoir une game comme ça, c'est sûr que Yannick Asselin, ça fait une couple d'années qu'il joue là, fait que c'est connu, mais tu sais, de voir. Les fans peuvent enfin voir que les gars qui sont rentrés, ben ça va être des bons gars, comme Maxime Saint-Cyr, ça fait juste deux fins de semaine, là, mais on le voit tout de suite que c'est un sniper, qu'il n'y a pas de difficulté à la mettre dedans. Sinon, ben c'est le fun aussi de j'imagine un gars comme Tourigny, je le connais pas personnellement, mais il va être frustré un peu de ne pas avoir compté après trois matchs. Fait que c'est le fun de voir que la top ligne là, là-bas elle se met en branle aussi, là, parce que c'est sûr que Rivière-du-Loup veut pas. Mec Tourigny se met en branle, c'est quasiment un ou deux buts par match que cette ligne-là va faire à chaque game. Fait que c'est sûr que ça va être le fun. Fait que, c'est un club jeune aussi, surtout la défensive. La défensive est rendue très jeune là-bas. Puis, c'est sûr, Paradis d'amour, c'est des jeunes. C'est ça, mais moi, je pense que c'est super le fun qu'eux aient pu avoir ce match-là. Puis on va voir en fin de semaine, justement. C'est sûr que c'est une grosse tâche en fin de semaine, là, deux games contre Tedford, mais ouais, on va voir s'ils sont capables de transporter ce momentum-là en fin de semaine. On a parlé d'amour, là, 21 ans, contre Amel.
Mais c'est une équipe, là, Rivière-du-Loup, qui se fait beaucoup brasser en début de saison. Louis Marcotte a jeté les gants. C'est pas un batailleur d'habitude. Il y a aussi JP Chabot, le capitaine, qui a été beaucoup testé, jeté les gants. Est-ce que il manquerait peut-être un peu de robustesse du côté de cette équipe-là? Ben, c'est sûr que c'est pas des choses que tu veux voir nécessairement, j'imagine, du côté de Rivière-du-Loup. C'est sûr que il faut quand même penser que quand on compare au coach que Rivière-du-Loup a déjà eu, Eric Haley, c'est pas le même genre de coach. T'sais, c'est un coach que ça fait longtemps qu'il est dans la ligue. Il sait un peu comment la ligue fonctionne. Fait que ça se peut que le message ait changé, qu'ils veulent que l'équipe se tienne plus. Ça se pourrait très bien, mais c'est sûr que moi, personnellement, j'ai été surpris que de voir justement des joueurs comme Michael Ward Marc Charbonneau. Philippe Charbonneau aussi, qui se sont battus à date. Fait que, c'est sûr que ça ne sera pas de même toute l'année, là, parce que ça n'aurait pas juste d'allure. Mais moi, je pense que ça serait. Ouais, Corriveau aussi, que j'ai battu deux fois à date déjà. Moi, j'espère pour Rivière-du-Loup que, justement, là, peut-être qu'ils vont réussir à aller. Justement, il avait annoncé la signature d'un gars comme Sean McMorrow. Je ne sais pas ce qui va arriver avec. Mais peut-être que ça serait le fun pour eux d'avoir justement peut-être un gars de même qui rentre dans le line-up pour justement éviter que Chabot se fasse essayer à toutes les games. T'sais, on va le dire, Chabot, c'est probablement un des joueurs qui a le plus gros cœur dans la ligue, là, mais ouais. Il ne mérite pas d'être obligé de se faire essayer à tous les games et de dropper à chaque fin de semaine. Là. Fait que je pense que c'est le genre de choses qu'on va regarder peut-être du coup. Donc, il reste, seule équipe qui reste, c'est Sorel, David. Que penses-tu là, du début de saison là, de ton équipe? Oui, ben c'est un bon début de saison. C'est sûr, c'est plate l'avoir échappé la première à maison contre Jonquière. Mm. Mais d'aller chercher deux grosses victoires, là, comme Jonquière, Sorel a joué trois matchs à date. Fait que c'est sûr qu'aller chercher deux grosses victoires sur la route à Jonquière, justement, qui est dur à aller jouer. Là, on l'a vu, là. Mm-hmm. On n'en a pas parlé, là, mais les Marlons aussi s'étaient fait aller en fin de game contre Sorel la semaine passée. Puis d'aller gagner une grosse game à Thetford aussi, je pense que c'était bon pour cette équipe-là. Puis c'est sûr que, tu sais, comme tu le dis, d'avoir le système puis d'avoir tellement un noyau de gars qui revient année après année, tu sais, non seulement ils pratiquent à chaque semaine, mais c'est les mêmes gars qui sont dans le même système depuis 4, 5, 6 ans. Fait que je pense que ça l'aide beaucoup. D'amener un nouveau gardien qui permet de faire des bons duos de gardien dans la ligue avec Gina, ça va amener aussi la stabilité. Fait que je pense que ça va assez bien. Là. En fin de semaine, c'est comme la fin de semaine des hommes et hommes. C'est trois hommes et hommes en fin de semaine dans la ligue. Fait que ça va être contre Laval que Sorel va jouer. Que ça risque d'être intéressant là, de voir justement si. J'imagine que les gardiens vont se séparer les départs, là, mais de voir justement là, qu'est-ce que Graham va pouvoir faire contre la grosse machine offensive des pétroliers, là, puis voir ça. Mais à date, c'est un bon début de saison pour ça. Comme j'ai dit au début, là, moi, Sorel, je ne l'ai pas vu encore. Je ne sais pas exactement, on joue quand, je n'ai pas l'horaire devant moi, mais c'est une équipe qui est très difficile à jouer. T'sais, on va toujours répéter, on va en parler au courant de l'année, là, c'est une équipe qui joue dans le système. C'est une équipe qui ne sort pas du système. Que tu sois un gars de skills, que tu sois pas un gars de skills, ils ont l'air de respecter le système. Puis c'est une équipe qui est très dure à jouer contre, surtout à la maison. Quand ils sont à la maison, ils sont très difficiles à jouer, comme je te dis. Fait que, t'sais, c'est une équipe que je vois quand même être dans l'eau du classement, comme année après année. Ils vont faire des dommages, ils vont être là. Ça va être une équipe qui va être dure à jouer contre. Ils n'ont pas besoin de scorer 4 goals pour gagner une game, eux autres. Ils peuvent en scorer un ou deux, puis c'est assez avec le duo de gardiens qui ont Jelly qui fait un job incroyable là, depuis qu'il est arrivé là. Fait que Sorel devrait être encore dans le top de la ligue, là, dans être contender encore pour ramasser la première place. Là, ça devrait, il devrait être là tout au long de l'année. Là. La seule équipe aussi qui a battu Thetford depuis le début de la saison. C'est Sorel, ça. Exactement. Ouais. Quelques nouvelles aussi là, du côté de Sorel. Signature cette semaine de Jonathan Legault et David Fouché. Oui, ben c'est deux signatures pour acheter de la profondeur défensive. Donc, c'est sûr que cette année, ce n'est pas tous les joueurs qui vont pouvoir être présents, là, comme des vétérans, comme Dumas puis Oumet. Je ne sais pas s'ils peuvent être là à toutes les games. Fait que c'est sûr, c'est bien d'avoir la défensive, de la profondeur défensive. Surtout, on ne sait jamais s'il y a une grande blessure qui peut arriver. Fait que c'est deux joueurs plus de profondeur, mais c'est
c'est des joueurs qui vont pouvoir contribuer. Là. David Fouché, il a déjà joué plusieurs années dans la Ligue, fait qu'il connaît ça. Puis Jonathan Legault, lui, c'est un nouveau joueur, mais il a joué à Thetford vendredi passé. Il a eu plusieurs présences, puis il a pas mal fait, c'est pas trop mis dans le trouble. Puis c'est quand même un gars qui a joué dans la Ligue junior majeure puis qui a joué à McGill. Là. Fait que c'est quelqu'un qui va pouvoir aider. Il y a David Lacroix qui devrait revenir bientôt aussi. Ouais, ben c'est ça. Les fans de Sorel ont sûrement hâte que David Lacroix revienne. Là. C'est sûr, c'est un des favoris de la foule. Mais c'est ça, il avait été diagnostiqué, il a eu une mononucléose pendant la saison morte, puis c'était pas complètement réglé au début de la saison, ce qui a fait qu'il pouvait pas se faire vacciner aussi rapidement que les autres. Mais là, Christian Deschênes a annoncé cette semaine qu'il avait eu sa deuxième dose, fait que j'imagine qu'il est sur le point de pouvoir revenir bientôt, là, puis d'être assez en forme là, pour pouvoir faire sa job, parce que c'est sûr qu'avec le genre de problème qu'il y a eu, tu peux pas, puis la job qu'il fait, tu peux pas comme faire ce job-là être à 50, 60, même 70%, parce que c'est bien trop dangereux. Fait que c'est ça, mais c'est des bonnes nouvelles là, qui devraient être capables de revenir bien. Good, good. Donc, on pourrait peut-être regarder là, un petit coup d'œil au classement là, de la Ligue en ce moment. Donc, en mentionnant là, que, comme on l'a dit précédemment, il va y avoir des home and home là, en fin de semaine prochaine. Laval contre Sorel, Thetford contre Rivière-du-Loup, Saint-Georges contre Jonquière. Donc, pensez-vous, les boys, que le classement pourrait peut-être changer là? Ben pour moi, oui, là, tu sais, ça devrait logiquement changer, là. C'est sûr, Saint-Georges va dire, j'espère qu'on sort de là 2-0, mais d'après moi, il va peut-être avoir du 1-1 qui va se passer. D'après moi, on va peut-être même faire du surplace avec ce classement-là, là. Tu sais, ça va probablement faire 1-1. Tu sais, la logique, oui, toutes les organisations s'en vont là gagner deux games. Mais tu sais, il y a peut-être des chances que ça soit 1-1. Fait que, tu sais, on va voir, mais tu sais, avec un home et home de même, il y a des chances que le classement ne bouge pas. Que tout le monde fasse du surplace, que tout le monde ait gagné deux points, perdu deux points, puis ça va rester pareil. Là. Mm-hmm. Il y a Yves Guilbeault qui demande, y a-t-il des clubs qui pratiquent jamais le mercredi? Donc, Laval, il y a Rivière-du-Loup, Saint-Georges-Jonquière, puis Thetford là, qui ne pratiquent pas le mercredi. Là. Je peux pas parler pour... je sais que dans le temps, quand j'étais à Saint-Georges, Dean Legitsakos, qui est maintenant coach du Seigneur 3 à Louisville, lui, il nous en avait mis deux pendant l'année, le mercredi obligatoire. Je te dirais que pour un petit gars comme moi de Brossard qui descend pour aller pratiquer à 8 heures, j'en reviens à 1 heure le matin, je la trouvais moins drôle. Mais comme j'ai dit un peu plus tôt, là, tu sais, les Malouins l'ont dit, samedi, ils pratiquent. Nous autres, Serge à Saint-Georges, il nous a fait obligatoirement 11 pratiques dans l'année qui vont être à tous les samedis. Fait que tous les samedis, on pratique. Ça l'aide un peu. Mais les pratiques du mercredi, je te dirais que c'est Sorel et Laval qui, en ce moment, ce soir, pratiquent. Fait que c'est pas mal les deux équipes là, qui sont proches. Les gars sont tous proches. Là. La plupart des gars de Laval, ils viennent du coin. Puis les gars de Sorel, là, David pourrait le dire, mais c'est pas mal tous des gars de la rive sud, rive nord là, de Montréal. Je pense pas qu'il y ait grand gars de Québec qui joue à Sorel. Trois-Rivières aussi, mais c'est pas trop loin. C'est pas trop loin, Trois-Rivières, ça se fait bien pareil. Fait que, tu sais, c'est les deux seules équipes là, qui pratiquent la semaine. Le reste des équipes, je peux pas parler pour Thetford ni pour Rivière-du-Loup, mais je sais que nous autres, on pratique à tous les samedis matin à 11h30, ce qui est pas pire. On pratique à 11h30 à midi et demi. C'est A1, on pratique powerplay, les face-offs, le piqué. T'sais, on essaie un peu le neutral zone forecheck, notre forecheck, juste pour être un peu stable. Mais c'est pas une grosse pratique là, intense parce qu'on joue le soir. Fait que c'est un petit une heure, ben soft à 60%. Là, mon genre de pratique, celle-là, là, que j'adore. fait que ça ressemble pas mal à ça. Là. Good. Et puis, on pourrait aller peut-être aussi les trois étoiles la semaine. Donc, Jannick Asselin, 2 buts, 4 passes, plus 4. Mathieu Newberry, taux de chapeau, plus 2. Maxime Saint-Cyr, 3 buts, 2 passes, donc plus 3 pour les étoiles de la semaine. On pourrait peut-être aller le dernier petit vidéo là, des jeux de la semaine, les boys? Yes. Oui. Donc, on revient dans quelques instants. Un peu plus loin.
Boutet là, qui était retenu là, par le bâton de Blanchet. Et là, Tremblay qui réussit à reprendre la rondelle, s'amène seul devant, pas seul devant le gardien. Là, il a but! Oh, quel but de la part d'Alexandre Tremblay! Il avait réussi à prendre la rondelle et il a surpris la défensive des Pétroliers. Et des joueurs de gardien. C'est maintenant 3-0 pour l'assurancière. Le vétéran Tremblay, c'est un fin marqueur, donc il a réussi à intercepter. Dans le territoire, là, bonne remarque, Jonathan. C'est vrai qu'il est très mobile. Il a une passe dans l'enclave. Oh, il compte! Les Tourneaux qui a accepté une passe pas facile à recevoir avant de déjouer le gardien Leclerc. Et le Cool FM qui, non seulement revient de l'arrière en créant l'égalité 3-3, mais va prendre les devants pour la... On va repasser par toutes les émotions ce soir. Oui, tout à fait. Oh! Un c'est but de Newbury. Newbury qui marque son troisième. Un tour derrière. Chapeau pour Matthew Newbury ce soir. Alors qu'on venait tout juste de reprendre l'action. Et quand même un tip. Un bunt. Ouais. Comme au baseball. Ouais. Ward laisse pour Guyon qui s'amène à toute vitesse. Guyon, fin de tir, garde la rondelle, contourne le filet, le tir et le but! Maxime Guyon, quelle belle pièce de jeu individuelle. Il a été patient, il a déjoué Auger et finalement il loge le disque derrière lui. Auger s'est déporté vraiment à l'extérieur. C'est fut, mais ne réussit pas non plus à garder le disque. Et là, c'est Hamelin qui récupère. Hamelin, belle feinte là-dessus. Hamelin, le tir est contre. Oh, quel but! Quel but de Hamelin! Et c'est pas pour rien que c'est le meilleur pointeur des Pétroliers. On a vu tout son talent sur cette séquence-là. A déculotté le défenseur du coup l'effet. On sera pas de cachette, ton numéro 1 était bien placé. Il était beau en tabarouette, ce gars-là. Puis Dieu sait que j'étais aux premières loges, j'étais juste à côté quand ça s'est passé. Tout un move, pour vrai, il était beau son goal là, à Hamelin. Là. C'était assez incroyable. Ouais, c'était. Quand je l'ai vu, j'étais abasourdi, disons. Non, oh, il était beau. C'était vraiment nice. Donc, messieurs, on a dit qu'on allait faire un petit balado d'une demi-heure. Finalement, rendu 9h03 en ce moment. Donc, on aura réussi à en faire un d'une heure. Donc, petit mot de la fin. Ouais, il va falloir s'ajuster. Ouais. C'est toujours le fun pareil. Hein. C'est tough faire une demeure. On le sait, on fait un podcast le lundi, on dit on dépasse pas, des fois on fait 5 heures. On est capable, nous autres, de partir. Non, mais. On en a parlé pour les prochaines semaines aussi. Là. Ça ne sera peut-être pas le mercredi, parce que justement, on en a parlé des pratiques du mercredi. Si on voudra avoir des gars, là, des équipes, des Pétroliers et de Sorel, eux autres qui ont des pratiques le mercredi. Donc, on va peut-être bouger le podcast, soit le mardi, le jeudi. Restez au courant. On va faire les annonces là, au courant de la semaine. Yes. Merci beaucoup pour la première. C'était le fun. On a eu du plaisir. On va, s'il y a du monde qui a des questions, des idées, vous voulez voir quelqu'un, un joueur que vous voulez voir, vous pouvez nous écrire, là, ça va nous faire plaisir. Là. Je te dirais là, que c'est pas comme dans la Ligue nationale que les gars, des fois, ils vont dire non. Dans cette ligue-là, la plupart des gars, ils vont dire oui, ils sont tous accessibles. Fait que si vous avez des joueurs que vous voulez voir, là, gênez-vous pas, vous nous écrivez, ça va nous faire plaisir de leur écrire. Les gars, là, les Malouins sont venus, ils ont adoré ça. C'est pas la première fois qu'on amène des gars de la Ligue nord-américaine. Les gars, ils adorent ça. Fait que gênez-vous pas de demander des joueurs, vos joueurs favoris, des joueurs que vous voulez voir, interviewer, poser des questions. Puis on va leur demander, puis je suis convaincu que les gars, ça va leur faire plaisir. All right. Donc, merci les boys. Merci tout le monde de nous avoir écoutés, d'avoir été par les nôtres, d'avoir commenté. Il y a beaucoup de commentaires sur le chat. On a vu ça défiler tout le long du podcast. Vous aviez beaucoup de questions pour nous. Je pense que vous êtes excités, tout comme nous, que la saison de la Ligue nord-américaine est recommencée. J'aimerais aussi dire merci à Hugo Côte-Noir, là, Crédit Photo, pour les deux photos là, de Danick Malouin et Jérémy Malouin dans l'infographie de l'annonce là, du podcast. Restez au courant, là, au courant de la semaine. Là, on va y aller avec d'autres annonces là, pour l'invité.
les nouveautés, le nouveau jour aussi. Donc, et voilà. C'était une première, les boys. Je pense que le test a été un succès. Yes. Puis en passant, le monde qui nous écoute, c'est tous des fans de la Ligue nord-américaine, la plupart. Puis, tu sais, sérieusement, là, parlez-en, partagez-les. Quand vous écoutez le show, parlez à vos amis de la Ligue nord-américaine. Ceux qui n'ont jamais été voir une partie de la Ligue nord-américaine, juste venir écouter. Tu sais, j'ai vu un beau commentaire là, de Denis. Il dit, c'est tellement hâte de voir les joueurs en dehors de la glace, tu sais, en entrevue. Mais, tu sais, partagez. Puis dites au monde, venez les écouter. T'sais, on est des gars, on en a fait un podcast démystifié, mais on est des gars qui travaillent pendant la semaine, on s'en va jouer, on est passionnés par notre game, on joue pour le love of the game encore, on fait pas des millions avec ça. Fait que tu sais, partagez, parlez à vos amis, dites, venez écouter ça, c'est super le fun. Vous allez en avoir des gars, j'ai vu un Chris Cloutier. Oui, ça serait le fun d'avoir Chris Cloutier en entrevue. T'sais, c'est un gars qui l'a vécu longtemps, ça fait longtemps qu'il est dans la ligue. Très bon ami avec Chris. Ça va, sûr, ça va lui faire plaisir de venir. Fait que partagez. Puis sérieusement, plus qu'on va être, plus on va avoir du fun. Là. Puis c'est un nouveau projet, on l'a essayé. Puis on veut continuer tout au long de l'année. Là, ça va vraiment être plaisant. Là. Puis au courant de la semaine aussi, là, je vois le nombre de personnes là, qui descend. C'est sûr qu'on parlait de faire un mot de la fin. Là. Mais il y a le Cool FM de Saint-Georges là, qui avait une paire de billets à faire tirer. Donc on va faire un petit concours là, au courant de la semaine. Pour faire gagner une paire de billets. Puis si des organisations qui nous écoutent présentement, si vous avez des concours, des choses à donner pour les fans qui sont là, on veut faire participer le monde, on veut faire grossir la gang. On fait ça pour la Ligue nord-américaine, pour l'amour de la Ligue. Yes. Donc, et puis allez sur le sourcesduhockey.com aussi, il y a un petit quiz dans la section quiz, un quiz LNOH. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes là, qui nous écoutaient qui ont déjà été le faire, là, mais ça vaut la peine. Il va en avoir d'autres là, au courant des semaines. Donc, merci, mesdames et messieurs, et faites attention à vous en revenant à la maison. Merci beaucoup à tout le monde. Ciao, ciao. Merci. Ciao.